Salut à tous, c'est Macradan. On se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft en 1.18.2. Par rapport à la dernière fois, j'ai ramené des PNJ dans ma base. Donc, je vais vous mettre une petite séquence pour vous montrer. C'était un petit peu la galère. Et aujourd'hui, on va construire le breeder. Donc, le breeder, c'est tout simplement une zone où on va mettre les villageois qui ont travaillé ensemble. Et du coup, ils vont faire des bébés. Et on va pouvoir collecter les bébés. C'est bizarre dit comme ça, mais on va pouvoir les récupérer. Et ça permettra ensuite de les transporter vers d'autres usines. Juste avant de commencer, de vous montrer la petite séquence pour ramener les villageois. Je vais juste vous montrer, j'ai fait une mini machine. Il manque de verre ici. Donc c'est un duplicateur qui fonctionne pour les rails. Donc c'est quelque chose de très très basique. Donc il y a un observer qui est ici. Avec la petite tête pointée dans cette direction. Deux slime blocks. Et ici, un sticky piston avec juste un peu de redstone au-dessus. Et là j'ai des rails qui sont placés. Si j'allume, on voit que ça duplique en masse. Donc ça marche assez bien. Et après il y a moyen, si je pense que je vais le déplacer, je le mettrai dans une autre salle par la suite. Il y a moyen d'aller récupérer du corail et de placer du corail au bout et du coup de le transformer également en duplicateur à carpette par exemple. Et pour l'instant j'ai toujours des rôdeurs autour, je suis pas sûr que je pourrais faire grand chose à mon avis. Quoi que je fasse, il y aura toujours des drones. C'est pas si grave. Bon, du coup, je vous mets la petite séquence et je vous retrouve juste après.
Alors, on se retrouve. Donc, j'ai positionné le schématix à la bonne place. J'ai cherché toutes les ressources. Oui, qui a besoin de pas mal de choses. Bon, la polychette Deep Slate, j'en ai pris beaucoup plus que nécessaire par un socle. Je vais vous montrer. Et je vais tout de suite commencer par construire la partie extérieure. Alors, comme d'habitude, je vais prendre un assortiment de différents copper. Ça, je n'en ai pas besoin pour l'instant. J'ai également besoin de verre et de la dirt. Et je vais me faire attaquer par les drones, forcément. Il y en a qu'un trident. Ah, j'aime pas. Où est-ce qu'il est? Les autres, ça va, mais les tridents font beaucoup trop mal que je le laisse. Alors, j'ai ici le début de ma zone. Je vais manger un petit coup. Bien sûr, j'ai pas pris de bloc de ma deep plate. Alors voilà. C'est juste pour le début. Donc je vais commencer par faire un tour. Alors ça va être long, hein. Et il faut pas que je m'approche du temple. J'ai commencé à préparer un schématix pour comment je vais faire le vidage de la zone. Mais c'est pas pour tout de suite. Commence par ça parce que c'est la partie la plus grande là du breeder, c'est la curaliculture. Et une fois que ce sera fait, je pourrais mettre des éponges et travailler de manière plus rapide. Après, j'ai fait ce breeder aussi, je pourrais éventuellement l'étendre par la suite. Donc ça, je verrai vraiment selon les besoins que j'aurai. Mais normalement, il devrait quand même me générer suffisamment. Alors, je vais compter quand même. Donc, il doit y avoir 10. Alors, je regarde sur mes screenshots. Non, il doit y avoir 9 ici de blocs. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc un dixième parce qu'il faut faire le tour. Donc c'est juste. Voilà, au-dessus, je vais pouvoir mettre 3 de verre. Et il faudra vraiment que je me récupère à l'occasion une silk touch, parce que si je place un bloc à côté, je ne pourrai pas le récupérer. Mon souffle, je mange un petit coup, j'en profite pour prendre les blocs de deep slate que j'ai laissé. Après, je vais ouvrir de ce côté, ce sera aussi plus simple pour passer.
Voilà. Donc j'ai ma zone. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à placer la terre. Cette zone, ça va être une zone de plantation de carottes. Vu que le fonctionnement du breeder, c'est vraiment très simple. Faut juste que des villageois soient occupés. Au moment qu'ils ont une occupation, ils vont être contents. Et s'ils sont contents, ils vont faire des enfants. Bon, très basique. On voit pas grand chose, j'ai pas pris une si lanterne. Je vais aller chercher, ça va être la prochaine étape, ça va être d'éclairer dans cette zone. On enlève ça. Ça c'est la partie la plus longue, c'est vraiment la construction de la structure autour. Qu'il y a l'eau qui gêne et tout, bah, une fois que ce sera fait, ce sera quand même beaucoup plus simple. J'ai parti le seau avec, qu'est-ce qu'on a ici? Oui. C'est dommage d'être seau pour pas avoir de seau. Un bébé de grenade. Des pires. Voilà, bon, on voit pas grand chose, on voit mieux quand je suis dans l'eau grâce à la vision aquatique de mon casque. Et pour l'instant, je me fais toujours quand j'entends des bruits de guardian. Un peu trop loin pour attaquer, mais. Alors je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Du coup, je vais sur la zone centrale. Qui doit être ici. En fait, je comprends. Pourquoi j'avais une erreur qui apparaissait. J'ai tout construit à. J'ai placé mes blocs trop haut. Bon, on va recommencer. Je fais une mini ellipse, je vous retrouve dès que c'est fait. Voilà, je vous retrouve. Donc, j'ai fait les corrections nécessaires. J'ai dépassé un peu le sol. Je vais pouvoir continuer. Alors, je mets ça juste ici. S'il y a de l'eau, c'est normal. C'est prévu que ça reste. Et je vais poser deux composteurs au-dessus de l'eau. Et ensuite deux six lanternes. On fera une partie de l'éclairage. Pour le reste, il y a encore une lampe que je vais mettre ici. Voilà, donc je vais faire. Pour l'instant, un passage en dessous pour je vais me mettre deux ici, autrement ça va être un peu problématique. Alors, je vais recommencer à faire le tunnel. Et la salle de récupération. Donc je vais m'occuper de qui vous savez. Donc, si
prends une capture d'écran. C'est plus simple pour voir un peu ce que je sais faire. Donc il va y avoir une ouverture ici. Donc pour l'instant il y a forcément de l'eau qui va rentrer dans l'intérieur. Comme d'habitude, j'ai placé mon verre sans faire gaffe. C'est bon, il est ici. Je vais mettre des grenades. Ma lumière. J'ai pas pris ma pioche forcément. Je vais finir de casser tout ce que j'ai construit avant. Et puis là, c'était des blocs. C'est des dalles que je devais mettre. Je vais chercher la pioche. Il va toucher en passant par là. Passons. Il y en a un qui va me tomber dessus là. C'était prévu que je joue de ce côté là, donc autant. Où est ma pioche? Bon, je vais m'en fabriquer une en fer, j'ai dû. J'ai dû l'oublier quand je suis allé chercher des matériaux. Ou alors je suis aveugle, je sais pas. Bon bref, je vais continuer. Ah, avançons un peu sur ce projet. Les dalles, j'ai pris que deux sortes de dalles. Et je vais essayer de récupérer ce bloc avant qu'il parte. Là, je vais continuer à mettre. Dalle comme ça, donc ici j'ai 1, 2, 3, 4 d'espace, parfait. Donc un cinquième.
Évidemment, c'est pas la grande forme. Là, je suis en train de... En fait, la salle que je fais, c'est la salle, c'est qu'il y aura les lits. Parce que les villageois ont besoin de lits, mais j'ai pas envie qu'ils dorment. Donc, ils seront dans une salle à part. Voilà. Du coup, je vais pouvoir mettre de la vitre. Donc sur les bords, ça. Ici également. Il y en aura aussi ici, mais pour l'instant, je vais laisser un passage. Et bien sûr, le plafond. C'est vraiment pénible, cette eau. Est-ce qui m'a pris de vous décider de faire une base entièrement sous-marine? Je ne sais pas. Alors, c'est bon, j'ai encore du verre. Je vais pour faire ensuite le couloir. Je crois que j'ai décalé de 1 aussi dans cette direction. 1, 2, 3, 4, 5. Un bloc. Voilà. On n'est plus à un bloc de verre près. C'est des blocs temporaires, ceux-là. C'est juste le temps de faire la structure correctement. Et j'ai un dauphin qui vient me dire bonjour. Gentil à lui. Une silanterne ici. Là, c'est des blocs. Ça. Et je peux compléter avec du verre. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Ici,
s'il manque des blocs. Je vais juste fermer de cette manière-là pour l'instant. Je ferai une jolie transition par la suite. Du coup, je peux reprendre mes éponges et on va vider la zone. Ah, c'est les éponges mouillées que j'ai. Je m'attaquerai aussi bientôt à une salle des coffres, parce que je pense que pour la salle des coffres, j'en avais fait une très grande sur ma précédente partie. Et je vais peut-être m'autoriser à faire une copie, qui était vraiment, c'est vraiment pénible à construire, il y a beaucoup d'éléments et tout, donc... Voilà, c'est encore très moche. On irait la déco en hors caméra. Hein. Là, je vais vraiment essayer d'avancer, terminer la partie fonctionnelle. Donc ici, je vais mettre de la terre. Petite éponge, venir dans le vélo. Le piège de... Le piège du... comment dire... Du schématica, c'est que des fois on voit pas les trous. Et pour l'instant, je vais reboucher également avec la terre ici. Normalement, il y a tout un design qui a été prévu, hein, mais si je veux que ça avance... Voilà. Du coup, ici, je referme. Je vais pouvoir mettre des trapdoors. Ici, le but c'est que... Oups. Bon, ça ira. Le but c'est que les mobs pensent qu'il y a un sol, alors qu'il n'y en a pas. Si je monte un étage ici, je vais... Je vais mettre des trapdoors à la bonne place. Ces blocs. Ah, je vais remettre ici. Mettre une torche pour éviter le spawn dans la zone. Ici, je vais avoir besoin de blocs temporaires. Je devrais ouvrir le trapdoor, ça m'évitera de tomber. Je vais poser une série de trapdoors en plus. Donc le but c'est que les villageois n'arrivent pas à passer.
peut-être ça va les bloquer. Ils essayent de venir ici. Avec cette trappe-door et celle-là, ils ont une hauteur qui est trop grande. Je vais corriger celui-ci, il m'énerve. Voilà. Je vais devoir mettre maintenant des lits. Orienté par là-bas, parce que je pense que l'orientation n'a pas de, n'a pas d'incidence, mais c'est ça que j'ai vu sur, sur la vidéo. Je vais aussi utiliser ce qu'il y a toujours de l'eau ici. Enfin, je la mette manuellement par la suite, parce que vu que je vais. À terme, je vais assécher la zone en dessous aussi. Ok, je vais directement planter. Un champ de carottes. Les carottes, c'est ce qui pousse le plus vite, sauf erreur. Il y a aussi moyen d'utiliser d'autres plantations. Par exemple, un des projets qu'il y aura par la suite, ça va être d'avoir une production automatique de nourriture. Ce sera comme des breeders, sauf que il y aura un système pour empêcher les villageois de se reproduire, donc il y aura à chaque fois un seul villageois qui va travailler, qui sera dans une zone définie. Alors, on va continuer. Plaçant les blocs autour du trou là, ici. Enfin, j'ai pris beaucoup plus de polish et de deep slate. Non, celui-là il est en trop. Là le but c'est simplement d'avoir un trou dans lequel il n'arrive pas à remonter. Là c'était normalement ta stone sur mon modèle. Donc c'est bon. Est-ce qu'on a trouvé une éponge? Oui. Là. Oui, ici. Il y aura du verre. Il
c'était juste ça. Donc là, je dois refaire la salle de récupération. Donc il y a le trou ici. Et il y a 4 jeux de côté. Je vais combler ici. C'est un peu pénible d'avoir ce... cette eau qui vient. On va y retourner. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, une pelle. L'épisode est un peu long. On va dire que j'aurais eu quelques galères. Donc ici, le système, encore je creuse. Donc il me faut là en dessous, face, fait. La salle doit faire cette taille là. Ici on met un dispenser. En dessous un bloc de redstone avec 2 power drill. Ici on met des rails de cette manière. Au-dessus des rails, un bloc de verre. Casser le rail que j'ai ici, enlever. C'est vraiment pénible, c'est tout. Je sais que je me répète, mais. Prendre. C'est bon, j'ai déjà mis rail en main. Pour l'instant, je vais mettre comme ça. Et comme ça. Donc, le but, c'est que ça descende de cette manière. Il y avait un bouton à mettre ici qui active le dispenser et ensuite pour terminer si je monte, je vois que j'ai du verre de cette manière là, du verre ici, un bloc de verre ici.
que j'ai les bords. On prendra un bloc temporaire. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant prendre ce diamant, déjà. Je vais amener les PNJ, je vais les positionner. Et ça, je pourrais vous montrer comment ça marche, puis je finirai la déco hors caméra. Donc, il faut que je fasse tout un petit chemin. Pour ramener les PNJ. Ici, je vais casser pour l'instant. Oh, peut-être que comme ça, ils arriveront à passer. Bon, et de 1. ce qui m'inquiète, lui. Ah non, c'est un villageur normal. J'avais peur qu'il ait pas de métier. Voilà, maintenant en deuxième. Il a été beaucoup plus collaboratif. Ah, et de 1, on voit qu'il s'est directement dirigé à la bonne place. Et de 2, donc normalement ils vont bosser ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ça et je vais faire une petite ellipse jusqu'à ce qu'il y ait jusqu'à ce qu'ils aient fait un bébé et que je puisse vous montrer. Ça y est, il est né. Le voici, le tout nouveau villageois. Donc j'ai dû juste rajouter de l'eau. J'avais oublié de mettre un flux d'eau ici pour les pousser dans cette direction. Et donc le fonctionnement. C'est assez simple maintenant. En gros, si j'appuie sur le bouton qu'il y a ici, et que j'ai du Minecraft là-dedans, bien sûr, il y a un minecart qui va venir, il va monter, et quand il va arriver dans ce bloc transparent, il va récupérer le villageois, et il va repartir. Et avec ce système, il ne peut pas revenir en fait dedans. Ça permet vraiment de prendre un villageois à la fois. Mais je ne vais pas vous le montrer tout de suite parce que faut que je termine le système pour le faire remonter jusqu'ici. Que je ferai hors caméra. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Il était un petit peu plus long. Un peu plus long que le dernier en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre également sur Twitter. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ou mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé la vidéo, bien sûr. Et j'espère vous retrouver la prochaine fois pour un autre projet qui sera peut-être l'usine à fer. Je vais peut-être faire en deux fois. Je verrai un peu comment ça se présente. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Bye bye.